C'est une loi française en vigueur depuis ce dimanche qui fait beaucoup parler d'elle dans le monde. Pour la protection des mannequins qui parcourent les défilés de mode, elle impose cette loi française sur le territoire national un IMC, un indice de masse corporelle minimum de 18,5. Et il faut désormais un certificat médical pour attester qu'un mannequin n'est pas trop maigre pour pouvoir travailler. L'appellation photo retouchée est également dans la loi. C'est une appellation qui doit désormais être mentionnée au bas des photos qui ont été retravaillées ensuite par ordinateur. L'agence lilloise Perfect Model, que vous voyez sur ces images, existe depuis 22 ans à Lille. Elle gère 140 filles mannequins, quelques hommes également et des enfants. Et ces nouveautés sont de bonnes choses, selon le gérant que nous avons pu interviewer. Ça reste un sujet tabou parce que, si vous voulez, dedans, on y implique nos clients, hein, qui sont évidemment les maisons de haute couture, les couturiers. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, nous, on répond un petit peu à leurs demandes. Donc c'est un sujet tabou parce que quoi dire par rapport à ça? Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est de convaincre justement nos clients utilisateurs de rentrer dans ces spécificités. D'ailleurs, deux groupes l'ont déjà fait, comme vous le savez, en l'occurrence LVMH, hein, qui a signé une convention, donc il faut continuer. Plus on sera transparent avec, j'allais dire, vous-même et puis l'ensemble de la communauté qui s'intéresse à la mode, plus on sera intéressé pour rejoindre justement cette communauté.